que connaître. J'entends la louange des saints de l'épouse dans le camp ce matin. Il y a puissance dans le sang. Et cette puissance est au milieu de vos louanges. Parce que vous apportez le sacrifice de louange dans la maison du Seigneur. Et il a reçu votre sacrifice. Peut-être va-t-il m'utiliser ce matin pour répondre à votre louange. Hallelujah. Praise God. God bless you. Que Dieu soit loué. You may be seated, amen. Vous pouvez vous asseoir. Praise God. Well, I bring you special greetings. Salutations spéciales. On behalf of my precious wife, Sister Monica. De la part de ma précieuse épouse, Sœur Monica. She asked me to convey special greetings. Elle m'a demandé de transmettre des salutations spéciales. To the Chile, aux réunions du Chili. And to thank you for the prayers that you have been praying for her. Et de vous remercier pour vos prières pour elle, for her health. Pour sa santé. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Praise God. So greetings for my entire family. Ainsi, salutations de toute ma famille and the LACB, et à l'Assemblée, our church in Trinidad. L'Assemblée locale, notre Église à Trinidad. Amen. So, it's my primera vez for me. C'est la première fois pour moi. Amen. Glory to God. But what a welcoming spirit. Mais quel esprit d'accueil. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Chile is on fire. Le Chili est en feu. Hallelujah. And this is a fire that cannot be put out. Et c'est un feu qu'on ne peut pas éteindre. Hallelujah. You're going with this fire. Vous allez avec ce feu. All the way to the millennium. Jusque dans le millénium. Glory to God, amen. Hallelujah. May this fire spread. Et que ce feu s'étende. To your unsaved families. Pour votre famille qui n'est pas May sauvée. It spread. Qu'il s'étende. To your co-workers. À vos co-ouvriers. May it spread. Qu'il s'étende. To your friends. À vos amis. And associates. Et vos associés. Hallelujah. God bless you, que Chile. Dieu vous bénisse, le Chili. Glory. Hallelujah. Glory. Glory. What can we say about our precious host pastor, Brother David Mora? You may be seated. Que dire de notre précieux frère, le pasteur hôte, frère David Mora?
He's a pillar. C'est une colonne in the house of God. Dans la maison de Dieu. He's a pillar in Chile. Une colonne au Chili. And we thank God for him. Et nous remercions Dieu pour lui. We thank God for his stand. Nous remercions Dieu pour sa position. Hallelujah. And we love him. Et nous l'aimons. God bless you, my brother. Que Dieu te bénisse, mon frère. Glory. Well, did you enjoy the greetings by Avez-vous some brother called brother Joel Nanton that greeted you? Appréciez les salutations de frère Joel Nanton qui vous a salué. Hallelujah. And we enjoy those greetings and brother Musgrove, what a servant. Et aussi de frère Musgrove, quel serviteur. And what precious greetings he sent to us. Quelle précieuse salutation il nous a envoyé. Now I understand this beautiful church. À ce que je comprends, cette merveilleuse église. Is your third temple. C'est votre troisième temple. Hey. Hallelujah. Glory. You know, Titus destroyed the second temple. Vous savez, Titus a détruit le deuxième temple. He brought an army to surround the city. Il a amené une armée pour entourer la cité et l'assiéger. And he thought that was the end of the Jews. Et il pensait que c'était la fin des Juifs. But there was a third temple coming. Mais un troisième temple allait venir. So the destruction Ainsi la destruction of the second temple du deuxième temple only made a way n'a fait que faire un chemin for the 70th week. Pour la 70e semaine when God was going to restore où Dieu allait restaurer the third temple. Le troisième temple. So whatever happened to your second temple, ainsi, peu importe ce qui est arrivé à votre deuxième temple, was only making a way, cela n'a fait que faire un for chemin the third temple. Pour le troisième temple. And what a privilege et quel privilège for brother Andrew Shepherd Prince and myself, pour frère Andrew Shepherd Prince et moi-même, we count it a privilege c'est un privilège to minister in your third temple. De prêcher dans votre troisième temple. I felt a little fire on that one. Oh, j'ai senti un peu de feu là-dessus. Praise God, you may be seated. I want to especially thank. Je veux remercier spécialement the New York ministry and le ministère de New York. Precious brother Jose Quinones. Et le précieux frère José Quinones. Amen. Amen. Yeah. Glory. Hallelujah. Glory to God. Yes, sir. Glory. They love New York. Vous aimez New York? Et la Pennsylvanie? Glory. They were very instrumental in having me to be here. Ils ont vraiment été fort utilisés pour que je puisse venir ici. I really want to thank them from the depths of my heart. Je veux les remercier du fond du cœur. For their goodness and their confidence. Pour leur bonté et leur confiance that they put in me. Qu'ils ont placé en moi. I was having a talk with brother Marcus Salinas. J'ai eu une conversation avec frère Marcus Salinas. You may be seated. Amen. And I know it's your independent celebrations. Et je sais aussi que c'est la célébration de votre indépendance. And he was telling me about the indigenous people. Et il me parlait aussi de ce qui est arrivé. And how they thought that the Spaniards, comment ils pensaient que les Espagnols were gods and not men. N'étaient pas des hommes. Donc ils étaient liés par cet esprit. Les indigènes, leur esprit était lié. Parce que si vous voyez quelqu'un comme un dieu, vous aurez peur de faire quoi que ce soit pour être libéré. Mais si vous les voyez pour ce qu'ils sont, simplement des hommes, then you throw off the man's spirit. Alors vous pouvez repousser cet esprit de l'homme. Amen. And then you can be free.
alors pouvait être libre. So I understand that the chief rode a white horse. Si je comprends que le chef chevauchait un cheval blanc et qu'il voulait couper like la tête du gouverneur, comme couper la tête de l'esprit humain. And the people got free. Et les gens ont été libérés. So, this is what I understand. C'est ce que je comprends. Hallelujah. So, your freedom, Chile, ainsi, votre liberté, Chili, amen, is right there. Est juste là. You have shaken off the spirit of man. Vous avez and you are singing, I am, repoussé, vous êtes débarrassé de l'esprit de l'homme et vous chantez I am the Holy Spirit. Je suis le Saint-Esprit. Hey! Glory to God. Gloire à Dieu. Praise God. Louange au Seigneur. So I want to thank Brother Marcus for that history. Donc je veux remercier Frère Marcus pour cette histoire. Amen, Brother Elias Caceres for back, dropping us back and forth. Et aussi pour un frère qui nous a conduit. Et j'ai davantage à dire aussi. Je veux aussi apprécier les chants spéciaux. Continuer de combattre le trio du tabernacle du septième sceau. Et aussi devant le trône, la chorale du tabernacle du plein évangile. Nous apprécions ces chants spéciaux et les efforts que vous y avez mis. Et tous les techniciens, tous ceux qui aident, hermanos y hermanas, frères et sœurs. Hallelujah. That felt good. Ça me fait bueno. Sentir bien. Glory. Well, we saw that intellectual head chopped off last night. Et nous avons vu cette tête intellectuelle qui a été coupée hier soir. How God used our precious brother, comment Dieu a utilisé notre précieux frère, Andrew Shepherd Prince. His name alone, son nom seul, is an inspiration. Est une inspiration. My. I just, it's just beautiful how he brought out, c'est merveilleux comment il a parlé the new birth, de la nouvelle naissance, head first, la tête première, and a new birth for the bride, et la nouvelle naissance pour l'épouse must come from the headship, doit venir de la tête, Holy Ghost slot, l'espace du Saint-Esprit that must come out, qui doit sortir. Oh, glory to God. Gloire à Dieu. And he said, put on the whole armor. Et il a dit, revêtez toute l'armure. Put on the helmet. Revêtez le casque. Protect your mind. Protégez votre esprit, parce que la bataille est dans l'esprit humain. Put on the breastplate. Revêtez la cuirasse. Protect your heart. Protégez votre cœur. Oh, glory. Put on the whole armor of God. Revêtez toute l'armure de Dieu. And Brother Coleman said, et Frère Coleman a dit the whole armor of God que toute l'armure de Dieu is the baptism of the Holy Ghost. Est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Glory, glory. Gloire à Dieu. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. He said if you have you are predestinated seed, il dit si vous avez une semence prédestinée, then, and you are put in a certain channel, et que vous êtes mis dans un certain canal hybride, but that body of yours mais votre corps must also be predestinated, doit aussi être prédestiné, because it does not belong to the devil, parce qu'il n'appartient pas au diable, it belongs to God, mais il appartient à Dieu. I love that, Brother Shepherd. J'aime ça, frère Shepherd. God bless you. Que Dieu te bénisse. Amen. Appreciate, Brother Shepherd. Vous appréciez, frère Shepherd. Glory. Hallelujah. So we had to be in conception. Nous devions être à conception. For a sign. Comme signe. And now, et maintenant, we're in the ninth month, he said. Nous sommes dans le neuvième mois, a-t-il dit. Et Dieu cherche de véritables fils, des fils nés, des fils remplis, qui parlent, et leur parole est soutenue. Le temps de l'adoption. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts pour davantage? Pour entrer dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. If you would, turn in your Bibles, si vous voulez prendre votre Bible, to Saint Luke 15, Saint-Luc 15. Amen. I hope I haven't left out anything in my greetings. J'espère ne rien avoir oublié dans mes salutations. Of course, we must salute our precious brother Urbino. Bien sûr, nous devons saluer notre précieux frère Urbino. For
qui traduit fidèlement. Si ce n'était pas à cause des traducteurs, comment le message pourrait-il sortir? C'est tellement important. Les mots manquent pour exprimer combien c'est précieux. Alors, Saint-Luc 15, versets 11 à 24, Romains 8, 15, and Revelation 21, et Apocalypse 21, 1, to 7. 1 à 7. And reading from Saint Luke 15, nous lisons dans Saint-Luc 15, à partir du verset 11. And he said, a certain man had two sons, et il dit, un homme avait deux fils. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père, Père, donne-moi la part du bien qui me revient. Et il leur partagea son bien. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors dans un pays éloigné, et là il dissipa son bien en vivant dans la débauche. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à être dans le besoin. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. And he would fain have filled his belly with the husks and the swine that the swine did eat, and no man gave unto him. Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Étant revenu à lui-même, il dit, combien de serviteurs de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Je me lèverai, je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et se levant, il vint vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion, et courant à lui, il se jeta à son cou, et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses servants, bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, et l'en revêtez, et mettez un anneau à sa main, et descendez à ses pieds. Et amenez le veau gras, et tuez-le, et mangeons, et faisons bonne chair. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils se mirent à faire bonne chair. Ensuite, Romains chapitre 8, verset 15. Romains 8, 15. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et Apocalypse 21, versets 1 à 7. And I saw a new heaven and a new earth, and for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Okay, Revelation 21. We go to verse 2 now.
Verset 2 ensuite. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Et il me dit, C'est fait. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Here's where God, accomplishes his purpose here. Et voici où Dieu accomplit son but. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Hallelujah. Hallelujah. Let's bow our heads, Heavenly Father. Courbons la tête, Père céleste. The servant reporting for duty. Ton serviteur est à son Lord, poste, a little tired and sick in body. Un peu fatigué et malade dans le corps. But, oh God, I know that you will strengthen me. Mais je sais que tu vas me fortifier. For my theophany is next to me. Car ma théophanie est près de moi. To give me a charge. Pour me donner une charge. Like going into a battery, Father. Dans les batteries, hein, afin que je puisse prêcher à ton peuple, Père, dans une bonne santé avec de la force. Ainsi, je te prie de m'ôter complètement du chemin. Cache-moi derrière la croix rugueuse, la croix dorée, et que ta lumière brille de ta parole, le livre ouvert. Dans chaque cœur, Seigneur, et que nous puissions partir d'ici en étant édifiés, fortifiés et transformés dans ta présence. Accorde-le, Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. J'ai un titre. L'amour d'Elohim pour la paternité exprimée. Amen. Elohim's love for fatherhood expressed. L'amour d'Elohim pour la paternité exprimée. And my subject, et mon sujet, the best tutor for the adoption of sons and daughters of God. Le meilleur tuteur pour l'adoption de fils et de filles de Dieu. An inspiration, et comme inspiration, crying, Abba, Father. Criant Abba, Hallelujah. Père. Alléluia. So, as we know, the prophet taught us, le prophète nous a enseigné that before the beginning, qu'avant le commencement, God had a threefold purpose. Dieu avait un triple but, a great mystery secret. Un grand mystère And secret. He said, that is why under the seventh mystery, et il a dit, voilà pourquoi sous le septième mystère, the seventh seal, le septième sceau, there was silence. Il y avait le silence. And because he kept that threefold mystery a secret. Il avait gardé ce triple mystère secret. Now the prophet is preaching this in a message called Christ is the mystery of God revealed. Et le prophète prêche aussi dans le message « Christ est le mystère de Dieu révélé ». Et il a prêché ça après l'ouverture des sceaux. Donc dans le soir du septième sceau, il est entré dans des paraboles. Il a parlé du songe de frère Junior Jackson, la vision de la tente, et le troisième pôle, etc. Amen. But he really took the word. Mais vraiment, il a pris la parole et il a prêché le septième sceau quand il a prêché Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. Et Frère Coleman a partagé ça avec moi. Now, the first thing was, I'm reading from Christ is the mystery of God revealed. Je lis dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraph 141. Au paragraphe 141. The first thing was that God wanted to reveal himself to the people. La première chose, c'est que Dieu voulait se révéler aux gens.
Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Jéhovah Dieu qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne pouvait pas. Il est trop grand pour être révélé aux gens. Comment ce grand être, qui n'avait jamais commencé, après avoir été au-delà de cycles de centaines et de milliards, and trillions of years of light space, et de milliards d'années-lumière, and out into the infinite, et dans l'infini, into the eternity, dans l'éternité, and a great creature, et une grande créature that was all that, qui était tout cela, and still is. Et qu'il est encore. You can't grasp that. On ne peut pas le saisir. But what he wanted to do, mais ce qu'il voulait faire, he loved fatherhood. Il aimait la paternité. For he was a father. Parce qu'il était un père. Alléluia. So the first clue, donc le premier indice that the prophet gives us to this great being, que le prophète nous donne par rapport à ce grand être that you cannot understand, que nous ne pouvons pas comprendre, the first clue he gives us, le premier indice qu'il nous donne is that he was a father. C'est qu'il était un père. Alléluia. Gloire à Dieu. And it was his thoughts, et c'était ses pensées, it was his desires, ses désirs to have a world, d'avoir un monde of sons and daughters, de fils et de filles. So he had the ability in him, il avait la capacité en lui-même to reproduce himself, de se reproduire. Glory. Wow. And he is light. Et il est la lumière. So he thought of us, ainsi il a pensé à nous as children of light, comme enfants de la lumière. And the light is the life, et la lumière est la vie of himself, sa vie which he wanted to bring forth, qu'il voulait produire in the form of you and I, sous la forme de vous et moi. The light is the life. La lumière est la vie. God is light. Dieu est lumière. God is our father. Il est notre Père. You are children of light. Vous êtes les enfants de la lumière. So the light is the light. Ainsi, la lumière est la vie of God himself, de Dieu lui-même, reproducing you and I, reproduite en vous et moi. Glory. Gloire. So his thoughts, ainsi, ses pensées were his spiritual genes, étaient ses gènes spirituels. His thoughts, ses pensées was his spiritual DNA, étaient son ADN spirituel. And those genes, et ses gènes, those thoughts, ses pensées were wrapped up, étaient enveloppés in fatherhood, dans la paternité. I want to be je a désire father to you, être un père pour vous. So out of him, ainsi de lui, out of this great mysterious being, de ce grand être mystérieux, came a form, est sortie une forme, a theophany, une théophanie, a body, un corps of celestial fire, de feu céleste, shaped like a man, formé comme un homme. Moses saw the back part. Moïse en a vu le dos. Hebrews chapter 1. Hébreux chapitre 1. 129. You may be seated. Now here's what happened. Voici ce qui est arrivé. Oh, excuse me. Oh, excusez-moi. I just get on this. Je viens d'y arriver. This just gets me right where I love it, see? Oh, j'aime cela. The logos and this great fountain. Le logos et cette grande fontaine. This great fountain of spirit. Cette grande fontaine de l'esprit. Which had no beginning or no end. Qui n'a pas de commencement ni de fin. This great spirit. Ce grand esprit. Began to form in the creation. A commencé à se former dans la création. Et le Logos qui en est sorti était le Fils de Dieu. Donc la première chose qu'il exprime, c'est un Fils. Parce qu'il aime être un Père. C'était la seule forme visible que l'Esprit avait. Et c'était une théophanie. Ce qui veut dire un corps. And the body was like a man. Et le corps était comme un homme. Moses saw it. Moïse l'a vu. When it passed through. Quand il est passé. By the rock. Près du rocher. And he looked at it. Et il l'a regardé. Said it looked like the hind part. Il a dit que cela ressemblait. Of a man.
au dos d'un homme, le même type de corps que nous recevons quand nous mourons ici. Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons un qui attend déjà. C'était ça. C'était la théophanie qui était le Fils de Dieu. Ce Fils, ce Logos, est devenu chair parce que nous avons été placés dans la chair. Et la théophanie, le Logos, s'est fait chair ici au milieu de nous. Et ce n'était rien d'autre que le lieu de demeure où toute cette fontaine demeurait en lui. Oh, le voyez-vous? C'est là. C'était celui-là. Et tout ce qui est en lui doit demeurer dans l'épouse. Toute la fontaine. Oh, alléluia. Je suis Saint-Esprit. Que puis-je être d'autre? Gloire. Maintenant, le mot Elohim est pluriel. La plupart des mots en hébreu qui se terminent en im, en im, sont pluriels. Parce qu'il était un être éternel avec beaucoup d'attributs. Spécialement les attributs de fils et de filles. Il est un, mais avec beaucoup d'attributs. Elohim. Elohim. Nous étions des pensées en Elohim. Des pensées enveloppées. Des pensées enveloppées dans la paternité. Mais nous étions des semences paroles dans le Logos. Parce que le Logos était le Fils de Dieu. Et c'est là où nous sommes exprimés. Comme fils et filles. Dans le Logos. Donc nous sommes des pensées en Elohim. Mais des semences paroles dans le Logos. Alléluia. Alléluia. Nous devions sortir comme fils et filles de Dieu à travers la théophanie, Logos, la parole, par son esprit, cela devait arriver, et son esprit est l'épouse de la parole. Vous êtes une pensée en Elohim, une semence parole dans le Logos, mais cette semence devait trouver un terrain d'ensemencement. Elle devait se connecter avec quelque chose pour produire un fils. Ainsi, le Saint-Esprit est l'épouse de la parole. La parole et l'Esprit ensemble. Et lorsque la parole et l'esprit se connectent en vous, votre filiation sort. Ne vous inquiétez pas de vos faiblesses. Si vous agissez mal, repentez-vous et allez de l'avant. Dieu veut la parole et l'esprit, que cela se connecte en vous, pour vous faire sortir comme fils et filles. Gloire à Dieu. Le Logos, la parole et l'esprit, l'épouse de la parole, qui est la partie féminine du Logos, allait produire des fils et des filles de Dieu. Jésus était cette théophanie fait chair. La parole faite chair. Mais nous avons contourné la théophanie et nous sommes venus comme une pensée, mais malgré tout une pensée enveloppée dans la paternité, un petit bouton de lumière. Parce que Dieu voulait des fils et des filles. Gardez bien cela dans l'esprit.
Just to testify a bit here. Je vais témoigner un peu là-dessus. Really wondering if I should bring this message. I'd preach it at home. Je me demandais si j'allais apporter ce message, je l'avais prêché à la maison. And I was really kind of a little wondering if I should really bring this message. Et je me demandais si je devais l'apporter. And then the Holy Spirit told me. Et alors le Saint-Esprit m'a dit, you have to bring it. Tu dois l'apporter. Because parce que I'm not talking about you, but he said, je ne parle pas de vous, mais il a dit, il y a trop de gens not relating to me. Qui ne sont pas en relation avec moi as father. Comme un père. That's just what he told me, so that's why I had to bring it. Voilà ce qu'il m'a dit, voilà pourquoi je devais l'apporter. Ce n'est pas de vous que je parle, mais il y en a beaucoup, vous savez, dans le monde. Ce n'est pas une réprimande. Maintenant, c'est sa pensée à votre sujet comme fils ou fille, mais pas encore exprimée. Lorsque vous étiez dans le monde, mais lorsque vous êtes venu à Christ, le Logos, alors vous pouviez être exprimé parce que vous étiez une semence parole dans le Logos. Et voilà où se trouve votre filiation, en Christ. Donc c'était le but du Père d'exprimer sa paternité par Christ. Nous avons contourné la théophanie pour venir ici pour être tenté et testé, pour être racheté. Le Père ne voulait pas simplement un monde de fils et de filles. Il voulait des fils rachetés et des filles rachetées. Vous étiez écrit comme racheté. Dans le livre de la rédemption, lorsque Dieu a fait Adam de la poussière et qu'il a formé Ève de son côté, il est devenu Jéhovah. Je n'ai pas perdu mon armure. Je la revais ici. Dès que Goliath viendra, je vais la revêtir à nouveau. Gloire à Dieu. Donc, il est devenu un père à ce moment-là. Mais il ne voulait pas simplement être Dieu avec sa famille. Il voulait être Dieu avec sa famille rachetée, amenée à rédemption. Donc, il est venu à travers Jésus, le Rédempteur. Et lorsque Jésus a payé le prix de la rédemption et qu'il est monté en haut, il a pris le nom Jéhovah. I am that I am. Je suis celui qui suis. Jesus of the New Testament. Jésus du Nouveau Testament is Jehovah of the Old. Est Jéhovah de l'Ancien. He only changes mask. Tout ce qu'il a fait, c'est changer de masque from spirit to man. D'esprit à l'homme. And being a true father, et étant un vrai père, he provided an inheritance il a pourvu un héritage for his children. Pour ses enfants. Si un fils, alors un héritier et co-héritier avec Christ. L'adoption. En qui aussi nous avons obtenu un héritage. Paragraphe 72. Oh, quel héritage! Quelqu'un doit vous laisser quelque chose pour hériter. Est-ce juste? Un héritage. Quel héritage avons-nous? What inheritance did I have? Quel héritage avais-je? I didn't have any. Je n'en avais pas. But God left me an inheritance. Mais Dieu m'a laissé un héritage. When he put my name on the Lamb's Book of Life. Quand il a mis mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Before the foundation of the world. Avant la fondation du monde. Oh, you say, now wait a minute. Alors vous dites, attendez une minute. Brother Jesus did that. Frère, Jésus a fait cela. When he died for you. Quand il est mort pour vous. No, he never. Non, jamais. Jesus come to purchase that inheritance for me. Jésus est venu acquérir cet héritage. Jésus n'est pas venu pour vous donner l'héritage parce que vous aviez déjà l'héritage. Votre nom était dans le livre. Là, sur le testament du Père, votre nom était là avec un héritage. Mais Jésus devait l'acheter. Il devait payer le prix. Parce que ce n'est que par la mort du testateur que le testament prend effet. Alléluia! Oh, glory. Gloire à Dieu.
So he said, now God sent Jesus. Dieu a envoyé Jésus to make that inheritance pour rendre cet héritage réel pour moi. Because there was nothing I could do. Parce qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour l'hériter. It was blank. C'était blanc. It was valid. C'était valide. There's nothing I could do. Il n'y a rien que je But puisse faire. Of time, mais dans la plénitude du God temps, sent in his own good time, Dieu a envoyé en son propre Jesus temps Lamb, Jésus l'agneau, slain from the foundation of the world. Immolé depuis la fondation his du monde. Blood was shed, son sang était versé that I might go to my inheritance. Afin que je puisse aller à mon héritage. Pour être quoi? What inheritance? Quel héritage? The sonship. La filiation. To be a son of God. Être un fils de Dieu. So there's the inheritance. Ainsi voilà l'héritage. The sonship. La filiation. To be manifested as a son. Être manifesté comme un fils or daughter of God. Ou une fille de Dieu. Let them have dominion. Qu'ils aient la domination. Now. Maintenant. Okay, you may be seated. Now we squandered our inheritance. Maintenant nous avons dilapidé notre héritage. When Adam and Eve sold it out to Satan, lorsqu'Adam et Ève l'ont vendu à Satan, lock, stock and barrel, ils l'ont vendu complètement, tout, dit le prophète. And that's exactly what the prodigal son did. Et c'est exactement ce que le fils prodigue a fait. He asked for his inheritance, il a fait demander son héritage which the father had already had for him, que le père avait déjà pour lui. And the father gave it to him. Et le père lui a donné. But he totally squandered it. Mais il l'a complètement dilapidé. Until he was eaten among swine. Au point où il devait manger parmi les pourceaux. But the bottom line is that regardless of how he strayed, mais au fond, peu importe comment il s'était éloigné, il était toujours l'enfant de son père. His father's DNA. L'ADN de son père was in him. Était en lui. And the father knew that. Et le père savait cela. The father knew that. Le père savait cela. Hallelujah. But the father didn't force him. Mais le père ne l'a pas forcé à revenir. You can't force. Vous ne pouvez pas forcer. You might have a boy that's going astray or daughter. Il y a peut-être un fils ou une fille qui s'est éloigné. And you're fighting and forcing. Et vous combattez, vous forcez. Amen. You say what you have to say. Vous dites ce que vous avez à dire. But in the final analysis, mais dans l'analyse finale, kick in il y a quelque chose qui doit se passer à l'intérieur Hallelujah, d'eux. Cet ADN, Hallelujah, that gene, ce gène of the father, du Père must kick in. Doit se déclencher. So you keep on praying, ainsi continuer de prier and believing, et de croire and it will happen. Et cela va arriver. Hallelujah. Hallelujah. Don't stop praying for them. Ne cessez pas de prier pour Even eux. If it gets worse, même si ça empire. That's the time to pray harder. C'est à ce moment-là qu'il faut prier plus fort. Can a mother forget her second child? Est-ce qu'une maman peut oublier son enfant à la mamelle? Parfois même elle pourrait l'oublier. Yet will I remember thee. Mais moi je me souviendrai de toi. Father. Je suis votre père. J'aime la paternité. Child. Tu es mon enfant. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory. Gloire à Dieu. We come in this hybrid condition. Nous sommes venus dans cette condition hybride. We come in a realm of darkness. Dans une sphère de ténèbres. But the Father knows. Mais le Père sait. When it comes to the crunch. Lorsqu'on en arrive au but. That spiritual gene from him. Que ce gène spirituel qui vient de lui. That button of light. Ce bouton de lumière. Would kick in. Va finalement se déclencher. And think of who we really are. Et nous allons penser de qui nous sommes réellement. We'll think of how it was in Eden. Nous allons penser comment c'était en Éden. Despite all that happened, malgré tout ce qui est arrivé. In 2011, en 2011. Or all that happens in our life, ou tout ce qui se passe dans notre vie. A time comes, le temps vient. When we can't stand it anymore, où nous ne pouvons plus le supporter. But all that come to us, et tout ce qui nous arrive. Was we, who we were in our father's domain. C'est ce que nous étions. C'est ce qui vient à notre pensée. C'est ce que nous étions dans le domaine de notre Père. C'est ça. Ce que nous étions lorsque nous étions en communion avec notre Père. Et frère Shepherd Prince a passé une petite bande pour nous.
And something the prophet said stayed with me. Et le prophète a dit quelque chose qui m'avait frappé. Il a dit, lorsque vous êtes rétrograde, that does not mean you are lost. Ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. It only means you are out of fellowship. Ça signifie simplement que vous êtes hors de la communion. Vous pouvez perdre beaucoup de choses, mais un vrai fils, une vraie fille de Dieu, ne peut pas perdre l'alliance. Alléluia. Ce gène va se déclencher. Je suis Saint-Esprit. Je suis l'homme originel. Je ne suis pas de cette condition hybride. Je suis un enfant de la lumière. Mon père est un océan d'esprit sans limite. Et moi, je suis une cuillerée de cet océan. Mais tous les éléments chimiques de cet océan se trouvent dans cette cuillère. Et voilà comment le prophète en a parlé. In a message called love. Dans un message qui s'appelle l'amour. Paragraph 3, I think it is here. Now notice. Remarquez. Now what was in Christ was ce qui était en Christ était la plénitude de l'esprit. The entire fullness of God. Toute la plénitude de Dieu. God gave Christ the spirit without measure. Dieu a donné à Christ l'esprit sans mesure. So that's a boundless ocean. Donc ça c'est l'océan sans limite, sans mesure. But he's given to us by measure. Mais il nous le donne avec mesure. See, we are a cup full of it. Voyez-vous, nous en sommes une cuillerée. C'est ce que le prophète Christ dit là. Had all the measure, everything. Christ avait toute la mesure, tout. He was Emmanuel. Il était Emmanuel. But you and I are little cupfuls, mais vous et moi, nous sommes des petites, out of that seed. Petites cuillerées de cette semence. Et lorsque l'Esprit qui est en nous est de la même qualité, not as much in quantity, pas en tant que quantité, mais la même qualité, parce qu'elle fait partie du même esprit. Tous les éléments chimiques qui sont dans cet océan se trouvent en vous, mais en tant que cuillerée. Ainsi, je suis Saint-Esprit. La cuillère peut dire, je suis l'océan, et vous pouvez dire, je suis Saint-Esprit. Pas le Dieu de l'univers, mais dans la qualité, vous êtes lui. C'est comme l'aigle dans la basse-cour. Il devait se poser des questions. Pourquoi il était tellement bizarre? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais un jour, il a entendu un cri de la maman aigle et son ADN a déclenché. Il savait alors, malgré tout ce qu'il avait traversé, qu'il était le fils d'un aigle. Et lorsque l'ADN s'est déclenché, dans la parabole, le fils prodigue a dit, je vais me lever. And go to my father. Et j'irai vers mon père. Padre. Alléluia. Padre. Padre. Père, père, papa. He was totally backslidden. Il était complètement rétrograde. Eating swine food. La nourriture des pourceaux. Qu'y a-t-il de pire pour un juif que de manger de la nourriture pour des pourceaux? Mais il a dit, je vais me lever et j'irai vers mon père. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit j'irai vers mon Seigneur. Il n'y a rien qui n'aille pas avec ça, mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Ou j'irai vers mon roi. Il a dit j'irai vers mon Père. Là, il avait correctement la relation.
Je ne dis pas que nous ne pouvons pas l'appeler roi ou Seigneur, parce qu'il est tous ses attributs. Mais je pense que le Saint-Esprit veut mettre l'accent sur l'importance d'avoir une relation avec lui comme un père, parce qu'il aime la paternité. Il aime penser à vous comme fils, comme fille. Voilà, ça c'est une clé. C'est une clé pour la saison de l'adoption. Je vous le dis. You have to get the relationship right. Vous devez avoir cette relation correcte to get the right results. Pour avoir les bons résultats. The Syrophoenician woman, la femme syrophénicienne, called him son of David, l'a appelé fils de David. But he was not son of David to her. Mais il n'était pas fils de David pour elle. She was a Gentile. Elle était des gentils. Jesus said, Jésus a dit, I can't take the children's bread, je ne peux pas prendre le pain des enfants, qui est la guérison, et la donner à des chiens. But when she said, Lord, mais quand elle a dit « Seigneur », right. Alors elle avait la chose juste. Because he was Lord of the Jews, parce qu'il était le Seigneur des Juifs and Lord of the Gentiles. Et le Seigneur des Gentils. Then she got the right results, alors elle a eu le résultat. And also had the right approach. Et elle avait la bonne approche. Humility. L'humilité. Even the dogs, oui, même les chiens. Mange les miettes qui tombent de la table du maître. Et l'enfant prodigue a eu la même relation de fils à père. Et il avait aussi l'humilité. Je vais me lever et j'irai vers mon père. Et je dirai à mon père. Il l'appelle père. Mais dans l'humilité et la repentance, il ne va pas vers lui comme étant un fils digne. Père, Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Fais de moi. Est-ce que vous vous sentez parfois comme ça? Fais de moi comme un de tes serviteurs. Je sens que some in here that feel that way sometimes. Je sens que certains se sentent ainsi parfois. Right. Peut-être que vous sentez comme ça maintenant même. When the father saw him coming, et lorsque le père l'a vu venir off, de loin, he was still afar off. Il était encore loin. He didn't see backslider, il ne l'a pas vu comme rétrograde, le père. He didn't see sinner. Il ne l'a pas vu comme un pécheur. He didn't get all legalistic. Il n'a pas été tout légaliste. And condemnatory. Et avec condamnation. All he saw, tout ce qu'il a vu. Coming, venir vers lui. Struggling, en luttant. In rags, là, dans des haillons. Tired and weary, épuisé, fatigué. A little sick, malade. All the father saw, tout ce que le père a vu. Was son. C'était un fils. That's the bottom line. Voilà, ça c'est le fond de la chose. And it's like that with a genuine son and daughter of God. Et c'est ainsi avec un fils ou une fille de Dieu authentique. They don't see themselves worthy of sonship. Ils ne se voient pas eux-mêmes dignes d'être fils before this great, almighty and holy God. Devant ce Dieu tout-puissant et saint. And they get all legalistic et ils sont tous légalistes and judgmental et pleins de jugement. To those who are backslidden, envers ceux qui sont rétrogrades, they are like the publican. Ils sont comme le publicain, they beat their breasts, qui se frappe la poitrine. Have mercy on me, oh God, a sinner. Oh, aie pitié de moi, Seigneur, un yet pécheur. The father looks down, et cependant, le Père and les regarde, sees only his son et tout ce qu'il coming. Voit, c'est son fils qui revient. The father certainly was not seeing, certainement, le Père hired servant, ne le voyait pas comme un serviteur. Even when you are still afar off, même lorsque vous êtes encore loin, but a prodigal, mais le fils prodigue avait l'approche correcte. Et nous avons tellement l'habitude de nous approcher de Dieu comme si le grand Dieu saint qui ne peut pas supporter le péché. Et tout ça, c'est vrai. Il est saint. Il ne peut pas supporter le péché.
But it makes it difficult. Mais ça rend la chose difficile de nous accepter nous-mêmes comme étant un fils, une fille, et qu'il est malgré tout notre père. Il y a quelque chose en moi qui veut l'appeler père. Il y a quelque chose en moi qui veut avoir cette relation avec lui comme mon père. Il y a quelque chose en moi qui veut aller vers lui et m'agenouiller à la croix et lui parler et lui dire tous mes besoins et pleurer sur son épaule. Et le père aime cela. Mais la première étape pour devenir un fils ou une fille manifesté, c'est d'accepter cette relation profondément à l'intérieur. Ce n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit que vous êtes son fils ou sa fille. Il nous a donné l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Abba, Père. Oh là là. Alors l'Esprit vient sur vous et il prend cette parole que je parle et il la oint dans votre cœur et vous allez crier de l'intérieur Abba, 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 Papa, Père. C'est l'Esprit d'adoption. Alléluia. Glory. Brother Jacquemin sent me a clip. Frère Jacquemin m'a envoyé un clip vidéo of an Israeli girl d'une petite fille israélienne calling out to her father, et qui appelait son père. Saying, Abba. Et elle disait Abba, 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 Papa. The spirit of adoption gives us that cry. L'esprit d'adoption nous donne ce cri, that deep assurance, cette assurance profonde that now are we the sons of God, que nous sommes maintenant les fils de Dieu Elohim is indeed our father, et que Elohim vraiment est notre Père. And we can pray that prayer, et nous pouvons prier cette prière by revelation, par révélation. Our father who art in heaven, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos transgressions comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous de tout mal, car à toi est le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et toujours. Ce n'était pas dans mes notes. Nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, pour arriver à la rédemption du corps. Et voilà pourquoi la colombe Ambre est ici, pour que vous puissiez crier Abba Père, dans l'esprit, un cri dans l'esprit. Vous dites, j'accepte d'être un fils. Ça peut arriver aussi platement que ça. Je sais que je suis un fils, une fille, je ne parle pas de ça. Mais il y a quelque chose de plus profond. Vous dites, c'est l'ABC dans le message. C'est l'ABC de dire, je suis un fils ou une fille. Mais si nous entrons vraiment dans cette relation, alors nous serons bien en route vers notre adoption. Donc l'adoption, ce n'est pas quelque chose qui paraît ne pas pouvoir être atteint, mais nous commençons à lui faire confiance comme étant notre Père. Nous lui prions ainsi. Priez votre Père dans le secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous récompensera publiquement. Il va vous nourrir. Il va vous guider vers l'adoption. Maintenant, notre Père Céleste, en sachant à l'avance que nous allions prendre cette nature hybride et que nous allions nous éloigner, il a fait un chemin pour que ses enfants étrangers reviennent vers lui. Et ce chemin, c'est par le sang versé. Adam et Ève avaient péché. Ils devaient être bannis d'Éden.
Mais le père, voyant ses propres enfants qui étaient dans cette condition, ne pouvait pas le supporter. Il a immolé un agneau et il les a couverts avec les peaux des agneaux. Il a commencé à pourvoir un chemin pour qu'ils puissent revenir dans la communion avec lui par le sang versé. Il a commencé à chercher pour trouver le meilleur tuteur pour ses enfants. Non, écoutez-le. Et combien c'est typique de notre Père Céleste. Lorsque ses enfants sont nés dans le royaume, il ne leur donne pas un évêque ou une personne terrestre, mais Dieu, le Père, nous a donné le meilleur tuteur possible, le Saint-Esprit, celui qui élève l'Église. Et quand il vient, il vous enseignera, il va vous guider dans toute la vérité, le Saint-Esprit. Maintenant, le mot, le meilleur tuteur, laissez-moi identifier trois tuteurs sous lesquels Dieu a placé son peuple jusqu'à ce qu'il arrive au meilleur. Et chacun a eu sa place. Le premier, c'était la loi. L'apôtre Paul dit dans Galates 3:24, que la loi était un maître d'école pour nous amener à Christ. Donc c'était un tuteur temporaire. Et Paul disait que c'était un bon tuteur. Il disait que ce n'est pas un mauvais, mais un bon tuteur, la loi. La loi est bonne, elle est juste, elle est spirituelle. C'est nous qui sommes charnels. Vendu au péché. Mais bien que la loi soit un bon tuteur, ce n'était pas le meilleur. Alléluia. Il nous indiquait le meilleur, le Saint-Esprit. Il est celui qui nous amène à l'adoption, la colombe ambre. La loi nous a enseigné que nous étions des pécheurs. Elle nous a enseigné la différence entre ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Mais ça ne nous a pas enseigné comment accomplir ce qui est bon. Il nous a indiqué aussi le chemin pour sortir de notre condition pécheresse par les sacrifices de sang, les offrandes pour le péché, etc., l'expiation. C'était une ombre des choses à venir. L'ombre du calvaire par le sang des boucs. En regardant au calvaire, la loi gardait les croyants dans la communion avec le Père. Mais il ne pouvait pas leur donner une véritable relation père-fils parce que sous la loi, ils étaient encore loin du Père, pas pleinement réconciliés. Maintenant, si vous regardez l'Ancien Testament, cela ne donne pas le portrait de Dieu tellement comme un père, juste dans quelques endroits. La plupart du temps, il parle des pères terrestres. Et certains typifient Dieu comme père, comme Abraham, par exemple. Mais cela n'enseigne pas Dieu directement comme étant un père, comme le fait le Nouveau Testament. Je vous donne deux exemples dans l'Ancien Testament. Le psaume 103, verset 13. Tout comme un père a pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur a pitié de ceux qui le craignent. Le proverbe 3:12. Car celui que le Seigneur aime, il corrige comme un père corrige le fils en qui il trouve son plaisir. Voilà quelques exemples. Mais la loi n'était pas un tuteur pour nous dans cette relation père-fils. C'était le père regardant vers la croix et voyant ses enfants à travers le sang. Mais ce maître d'école de la loi ne pouvait pas nous amener dans la présence de Dieu. Le paradis est encore lié à la terre. Et cela ne nous rendait pas capables d'accomplir ce qui est bon. Comment accomplir ce qui est bon? Comment faire ce qui est bon? Je ne le trouve pas, disait l'apôtre Paul.
Parce que sous la loi, ce qui nous manquait, c'était l'esprit originel donné à Adam, le fils de Dieu, la filiation. Donc Paul disait, il est venu nous racheter de la loi sous ce maître d'école afin que nous puissions obtenir l'adoption des fils, parce que sous la loi, l'esprit n'avait pas encore été donné. Parce que la véritable expiation de sang n'était pas encore venue. Le signe n'avait pas été donné. Donc pour avoir le meilleur tuteur pour nous, il avait besoin de nous racheter de la loi et nous placer sous la tutelle du Saint-Esprit, l'esprit d'adoption. Alléluia. Alléluia. Ainsi, la loi était un bon maître d'école, mais pas le meilleur. Il y avait un voile entre le sanctuaire et le lieu très saint, signifiant que le chemin vers le lieu très saint, vers votre véritable filiation, votre esprit originel, n'était pas encore manifesté. Donc le maître d'école nous disait, regardez, vous avez quelque chose à obtenir, mais pour l'avoir, vous devez passer dans une autre classe, avoir un autre tuteur. Et il ne nous a pas seulement laissé là, mais il l'a démontré par la sacrificature aaronique, Aaron, qui aspergeait le sang sept fois dans le lieu très saint. Donc juste là, le maître d'école a voilé la nature des enfants du Père, la septuple nature, l'ADN du Père. Mais le maître d'école disait, regarde, tu n'auras pas ceci maintenant avant que la véritable expiation soit accomplie. Et cela va complètement te réconcilier avec le Père. Donc la loi a été écrite dans nos esprits et à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il était vraiment un bon enseignant lorsqu'il nous indiquait le meilleur. Maintenant, l'école de ce maître d'école, la loi, c'était le temple. C'est là où la relation d'Israël envers Dieu fut manifestée, leur adoration. Et au cœur du temple était l'expiation. C'est ce que les chérubins gardaient, le sang. Lorsque la véritable expiation fut accomplie au calvaire, les sacrifices n'avaient plus d'effet. L'adoration dans le temple n'était plus nécessaire. C'est pourquoi Dieu a permis à Titus de venir avec ses troupes et de détruire le temple. Jésus avait dit, pas une seule pierre ne restera sur une autre. Mais cela fait un chemin pour que les gentils obtiennent ce qu'Israël avait vu en ombre. Donc ici nous avons un meilleur tuteur, le Saint-Esprit. Maintenant ce tuteur a deux attributs ou aspect en rapport avec sa tutelle. La loi et le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a deux aspects. Un enseignant extérieur, le quintuple ministère. Je ne parle pas d'un docteur dans le quintuple, mais je parle du quintuple ministère qui est le docteur extérieur, et puis il y a un docteur intérieur qui prend ce que dit l'enseignant extérieur et il le vivifie à l'intérieur de vous. Laissez-moi vous donner un exemple. Si dans une classe un enseignant enseigne votre enfant et que ça n'intéresse pas l'enfant, ce que l'enseignant essaie de lui enseigner, ça n'aura pas de sens. Il est simplement l'enseignant extérieur. Mais il doit y avoir une motivation dans l'enfant. L'enfant doit avoir cette motivation en lui pour apprendre.
Si l'enfant n'est pas motivé pour apprendre, l'enfant n'apprendra jamais. Donc l'enseignant extérieur, il fait de son mieux, il donne la parole. Maintenant, il faut l'enseignant intérieur. Là, maintenant, vous, sur vos genoux, en allant vers cet enseignant intérieur, pour vivifier cette parole à l'intérieur de vous. Et quand cela s'accomplit, ça, c'est le meilleur enseignant. L'enseignant extérieur et l'enseignant intérieur agissent ensemble. Donc si l'enseignant extérieur parle du temple d'Ézéchiel, etc., ou de la 70e semaine de Daniel, ou la colombe ambre, quelle que soit la chose qu'il apporte, la séparation entre l'hybride et l'originel. Mais si vous n'allez pas avec votre mesure d'étude et de pensée pour creuser dans ce que dit l'enseignant extérieur, si vous ne méditez pas là-dessus, et si vous ne demandez pas à Dieu de vous le révéler, ça ne vous fera pas de bien. Donc l'enseignant intérieur, c'est la petite voix douce qui vient vers vous et qui vivifie ce que vous donne l'enseignant extérieur. L'enseignant intérieur met en application ce que dit l'enseignant extérieur. Lorsque nous le recevons dans notre cœur, la lumière de la parole vient vers vous par le quintuple. L'enseignant extérieur, et lorsque ça touche ce bouton de lumière, ce fils ou cette fille attribue, et ça c'est l'enseignant intérieur qui est à l'intérieur de vous pour vous guider vers l'adoption. Il prend ce que dit l'enseignant extérieur et il le mélange avec notre esprit pour nous amener à la maturité comme un fils. Et c'est ça que le Père désire. Donc je place l'enseignant intérieur comme étant le meilleur tuteur. Parce que sans le Saint-Esprit qui demeure en nous, l'enseignant extérieur ne vous fera pas de bien. Mais vous avez besoin des deux. Vous avez besoin des deux. Vous avez besoin du quintuple. Vous avez besoin du docteur extérieur. Alors, l'enseignant intérieur prend ce que vous donne le docteur extérieur et il vous le vivifie à l'intérieur. Donc, quand vous êtes dans une situation et que vous entendez la parole de la chair qui revient vers vous pour vous guider dans une situation, alors, l'enseignant extérieur devient l'enseignant intérieur. Il est le meilleur parce qu'il rend la parole personnelle pour vous. Amen. J'arrive bientôt à moi. À la fin. Maintenant, cet enseignant intérieur fait un rapport au Père au sujet de la conduite de son fils ou de sa fille sur une base quotidienne. Et voilà ce qui se passe en réalité dans le domaine de l'esprit, dans votre vie quotidienne. Ce tuteur-là, c'est l'esprit d'adoption. Nous sommes dans l'âge de l'adoption. Nous ne sommes pas dans l'âge pentecôtiste, ou de Wesley, ou de Luther. Nous sommes dans l'âge de l'adoption. Là où le Saint-Esprit fait une œuvre, pas de justification en soi,
Not a work of sanctification per se. Pas une œuvre de sanctification en soi. Not a work of the baptism of the Holy Ghost per se. Ou du baptême du Saint-Esprit en soi. As in the Pentecostal age. Comme dans l'âge pentecôtiste. But he's doing a work of adoption. Mais il fait une œuvre d'adoption. So he's a guide. Donc c'est un guide. He's a tutor. C'est un tuteur. To meet you on your knees. Pour vous rencontrer là, à genoux. In the little room. Dans votre petite pièce. The father wants you to graduate. Le père veut que vous soyez diplômé. He wants to give you the best robe. Il veut vous donner la meilleure robe. A robe, without seam over his spirit. Une robe sans couture sur son esprit. Messiahship. La messianité. And if we don't relate to him as father, mais si nous n'avons pas de relation avec lui comme père, we will miss the whole program. Nous allons manquer tout le programme. What kept that slave in the galley? Ce qui gardait cet esclave-là, the prophet spoke of, cet esclave dont le prophète a parlé, like a prince, qui agissait comme un prince, because the slave clothes, malgré ses habits d'esclave, the slave food, la nourriture d'esclave, and the slave chains on his feet, et les chaînes à ses pieds. But what kept him going, mais ce qui le gardait, it was his relationship to his father, c'était sa relation avec son père. Though his father was way back in Africa. Même si son père était bien loin en Afrique. His father was the king of the tribe. Son père était le roi de la tribu. And he was a prince. Et lui, il était un prince. He was trained as a prince. Il avait été formé comme prince. He acted like a prince. Il agissait comme un prince. And if we keep that relationship to the father, et si nous gardons cette relation envers le Père, we will take that same training. Nous aurons le même enseignement, la même formation, même parfois si c'est amer, we will obey that still small mais voice. Nous allons obéir à cette petite voix douce. We will deny ourselves, nous allons nous renier nous-mêmes and cling to our father's instructions, et nous allons nous attacher aux instructions du Père. By means of the inward teacher, par le moyen de l'enseignant intérieur bidding us inwardly, qui nous supplie intérieurement to obey. D'obéir. He trains us. Il nous forme. He wants to get our outward man, il veut que notre homme extérieur in conformity to the inward work, agisse en conformité avec l'œuvre intérieure which the guide is doing, que le guide donne in the inner man. Dans l'homme intérieur. And that's godliness. Et ça, c'est la piété. To be like God. Être comme Dieu. To be like your father. Être comme votre père. It is the tutor's duty. Et c'est le devoir du tuteur. To take you from virtue. De vous emmener de la vertu à la connaissance, the temperance, à la tempérance, the patience, à la patience, the godliness, à la piété, the brotherly kindness, à l'affection fraternelle. That's his duty. C'est son devoir. Glory. For instance, par exemple, given liberty to a tongue that is set on fire from hell, si vous donnez la liberté à votre langue qui est mise en feu par l'enfer, shies the guide, et si cela fait s'envoler le guide, the dove, la colombe s'en va. Away. He goes and sits on a branch somewhere. La colombe va s'asseoir sur une branche quelque part, the prophet said, c'est ce que dit le prophète, until you repent and bring it all under the blood. Jusqu'à ce que vous vous repentiez et que vous mettiez tout sous le sang. Then he has to report to the father. Alors il doit faire un rapport au Père. Of how you keep losing that temper. Comment vous continuez d'avoir ce tempérament sur une base quotidienne. Cause that child is just too much. Parce que cet enfant, c'est trop. And the father is saying, et le Père dit, when will this boy or girl, mais quand ce garçon ou cette fille stage, va passer au-delà de cette étape, I want them to graduate. Je veux qu'ils soient diplômés. I want to put the best robe on them. Je veux leur mettre la meilleure robe. I want to put the messianic anointing. L'onction messianique. The robe of adoption. La robe de l'adoption. And rapture in grace. Et la grâce de l'enlèvement upon them. Sur eux. Oh, here's what the prophet said. Voici ce que dit le prophète. And hear ye him. Dans écoutez-le. And now when this duty of this teacher of raising the son, et maintenant, lorsque le devoir de cet enseignant
pour élever le Fils, devait rapporter au Père comment il progressait et sa conduite déterminait son héritage. Si c'était un bon fils, il héritait tout ce que le Père avait. S'il n'était pas un bon fils, il n'avait rien. Il n'était pas digne, bien qu'il soit un fils. Et cette citation m'avait étonné. Je me demandais, voulez-vous dire qu'il y a des fils sauvés et des fils rachetés? Vous serez un fils ou une fille, mais ce qu'il recherche, ce sont des fils rachetés et des filles rachetées. La rédemption, pas simplement sauvés. Des fils rachetés. Là, c'est ça qu'il veut dans la nouvelle cité. Et où ils soient leur Dieu et que eux soient ses fils. C'est pourquoi il envoie le tuteur, le docteur intérieur, pour vous donner la bonne conduite dans votre vie quotidienne. Pas par le légalisme, mais par une transformation intérieure. Ça veut dire travailler avec le guide, faire attention à ce qui vient de la chair, le pupitre, le docteur extérieur, et amener ça à votre Père dans la prière, en sachant qu'il est votre Père. Parfois, le guide extérieur vous châtie depuis la chair. Soyez reconnaissant. Parce que ceux que le Père aime, il les châtie et il les reprend. Et lorsque vous recevez le châtiment, ça veut dire que vous êtes un fils, que vous êtes une fille, et pas un bâtard. Gloire à Dieu. Amen. Il ne veut pas des enfants gâtés. Il veut des enfants de caractère, avec un bon pédigré. Forme un enfant comme il doit agir. Et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Il peut peut-être s'éloigner. Mais comme l'enfant prodigue, cet ADN spirituel va se déclencher à un certain moment. Je vais me lever et j'irai vers mon Père. Il essaie de vous amener dans la réalisation parfaite, dans toute la vérité, de la vertu à la connaissance, à la tempérance. 2 Pierre le dit en fait, en obtenant la tempérance, recevez la patience. En recevant la patience, obtenez la piété. En recevant la piété, recevez l'affection fraternelle. C'est une traduction littérale. Maintenant, si vous regardez la tempérance, vous voyez que ça traite beaucoup d'aspects de l'homme extérieur. Contrôlez votre langue et votre tempérament. De vous garder dans le service dirigé par Christ. Et la patience, traite avec l'homme intérieur, étant ferme, avec endurance, amen, en résistant là, avec la foi, mais dans la piété, l'homme intérieur et l'homme extérieur s'assemblent. Dans la piété, c'est la conformité extérieure dans un état intérieur de grâce, comme cela nous a été enseigné par Frère Coleman. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère Coleman disait, ne laissez pas l'homme extérieur dicter
ce que l'homme intérieur devrait faire ou comment il devrait se sentir. Comme êtres humains, nous laissons les situations extérieures influencer nos réactions intérieures. Mais Frère Coleman dit que ça doit être l'opposé. Ne laissez pas l'homme extérieur vous dicter ce que l'homme intérieur devrait faire. Mais laissez l'homme intérieur dicter ce que l'homme extérieur doit faire. Oh là là. Alors le tuteur arrive quelque part. Ainsi, le tuteur intérieur et le tuteur extérieur vous édifient comme une maison spirituelle de Dieu sur la terre, des fils et des filles adoptés, des temples du Saint-Esprit. Et votre cœur est l'autel, le trône de miséricorde, couvert de sang, la vie de la parole des messagers de chaque âge. Et comme le mont du temple, elle est construite sur un roc, le roc de la révélation de qui vous êtes, les gènes spirituels du Père. Et ces gènes exprimés le Saint-Esprit. Ainsi, le temps de l'épouse serait la restauration du troisième temple, le retour du fils prodigue. C'est un type. Et le Père court à sa rencontre. Et cette relation Père-Fils s'intensifie. Alors qu'ils sont en chemin vers la maison du Père, et en marchant, le fils prodigue d'Éden ajoute l'ADN de son Père, alors qu'il marche, et le Père dit, amenez la meilleure robe, l'adoption, tuez le veau gras, l'expiation dans sa plénitude. Voilà celui qui m'avait quitté en Éden. Voilà celui qui était perdu dans les ténèbres des dénominations et des interprétations dans le message, dans les âges de l'Église. Mais il porte mon nom éternel. Qu'il ait le plein héritage. Oh là là. Je termine. Les musiciens. L'autre fils était un fils, oui, mais il n'avait pas l'expérience de la rédemption. Il n'avait pas traversé ce processus pour être racheté. Le Père veut des fils rachetés. Dieu avec ses enfants rachetés dans une pleine rédemption. Il est un type des vierges folles. Il semble l'être. Mais le fils prodigue retourne à son adoption, à sa filiation. Et nous sommes juste dans cette saison-là. Ainsi, entrons dans ce grand lieu de l'adoption des fils, là où vous êtes prédestinés. Là où vous êtes prédestinés. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Dites-le. Dites-le, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Que Dieu vous bénisse. Gloria al Señor, aleluya. Ya no soy esclavo del temor, dilo, yo soy.
Espíritu de adopción, aleluya, por el que clamamos.